J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau haul qui serait un autre haul magasin. Ah, attendez, je me sens un petit peu plus loin. Voilà. Haul magasin. Donc, j'ai fait tout le petit magasin. Donc, du coup, c'est un haul magasin. Mais du coup, c'était simplement pour des cadeaux pour ma maman. Donc, je me suis pris quelques trucs. Mais c'était plutôt pour ma maman parce qu'en fait, on est au mois de mai. Et au mois de mai, il y a son anniversaire. Et la fête des mères. Du coup, parce que mon papa est revenu, pardonnez-moi. Donc, du coup, je disais, la fête des mères et son anniversaire sont le même mois. Donc, du coup, pour son anniversaire, je lui avais pris du miel. Sauf que finalement, j'ai su aujourd'hui qu'elle n'aimait pas le miel. Donc, du coup, j'ai offert autre chose. Donc je lui ai pris des bougies et j'ai pris aussi des petites babioles pour la fête des mères. Sachant que j'ai déjà pris des trucs pour la fête des mères. Dont en fait je vais lui faire... en fait pour la fête des mères ou son anniversaire, je sais pas, je verrai encore. Donc il y aura un... ce sera un cadeau qui sera deux petites bougies que je vais vous montrer juste après. Et un autre lot qui sera... il y a une crème pour les pieds. Il y a un pchit pour sentir bon à la lavande que j'avais reçu mais que j'aime pas moi personnellement. Et deux, trois petits soins comme ça que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Donc voilà, au moins ça lui fera un petit truc de soin. Et puis voilà, ça lui fera un petit cadeau bien sympateur. Alors du coup, hop, je sors. Donc j'ai été à Sephora. Sephora, j'ai une petite 20 cm là-dedans. Je vais la remettre dans mon sac. Donc voilà, à Sephora, j'ai vraiment pas acheté grand-chose. J'ai juste acheté une petite crème pour les mains. Ça, c'est pour ma maman, pour lui mettre dans son petit... l'eau, donc ça avait l'air d'être sympa. Donc c'est une crème de chez Sephora au lait d'amande, donc ça pouvait être sympa. 30 ml, 87% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ça c'était plutôt sympa. Je sais qu'elle adore les crèmes pour les mains. J'en ai pris seulement une parce que je sais qu'elle en a quelques-unes. J'en avais déjà filé pas mal parce que quand je reçois ça dans les box, j'en donne à ma mère et j'en donne aussi à ma cousine. Donc comme ça au moins, elles sont pas jalouses, elles sont pas jalouses du tout. Mais comme ça au moins je fais plaisir aux deux et au moins je suis contente. Et ma maman elle a ce qu'il faut du coup en crème pour les mains, vu qu'elle fait pas beaucoup plaisir. Donc du coup moi j'ai acheté ça 4,99€. 4,99€ c'était, c'est quand même un peu cher pour une crème pour les mains. 4,99€ pour un quand même un seulement un 30 ml. Mais bon, j'ai voulu faire plaisir à maman, j'ai dit vas-y, let's go, je prends ça. Évidemment, avec ça, j'ai pris un échantillon. Voilà. J'ai demandé un échantillon. Là, j'ai un échantillon de chez Clarins. C'est Murling Achève Jour, je sais pas quoi. Donc voilà, c'est un petit échantillon comme ça. Voilà, c'est un échantillon que Sephora font. Ça sent plutôt bon. Voilà. Donc c'est de chez Clarins, plutôt sympa. Un petit échantillon sympa. Moi, je préfère quand il y a la marque dessus. Mais bon, après, au moins, ils font l'effort de nous donner aussi de la marque. Voilà, même si c'est eux qui font, c'est plutôt sympa. Donc voilà, un niveau échantillon gratuit qui, évidemment, ira dans ma petite enveloppe. Dans ma petite boîte échantillon gratuit du mois. Ensuite, j'ai été à Nocibé. Alors, à Nocibé, j'ai pris plusieurs trucs. J'en ai mis pour 17,02€. Donc, une petite pochette parce que du coup, c'était pour offrir à ma maman. J'ai racheté des trucs que j'avais besoin et j'ai pris des trucs pour moi. Donc, ça, je vais prendre plutôt celui-là. Et Sephora, je vais laisser comme ça parce que j'ai des choses à ranger dans le... Ouais, bref. Bref, on verra ça plus tard. Du coup, avant de mélanger les pinceaux là. Alors, j'ai pris... J'ai eu moins 40%. Voilà. Donc, j'ai acheté un tonique de chez Nocibé. Donc, à 3,50€, je vais y arriver. Voilà, un tonique de 50 ml. Je crois que j'avais déjà pris celui-là, mais je me rappelais plus. Donc voilà.
vu qu'il me faut des toniques. Je crois que j'en ai déjà un tonique, mais j'en ai pris un autre. J'ai dit pourquoi pas, voilà. Mais je crois que lui, je l'avais déjà testé, mais vu que je ne me rappelais plus, je l'ai pris en petit format. Je savais plus si je l'aimais bien ou pas. Donc voilà, petite tonique pour le matin. Ça va être plutôt pas mal. Donc ça, c'est pour moi. Ensuite, toujours pour moi, j'ai pris le masque licorne 9,95 €. Donc ça, je l'ai déjà, je l'ai presque fini. Par contre, c'est un peu abusé, le produit, il est là. Il manque tout ça comme produit. Si vous voyez le produit. Ah ouais. Parce qu'en fait, j'ai ma lampe. J'ai mon rond de lumière. Et en fait, il est là le truc. Par contre, ma télé ne. Ok. Ma télé s'est éteinte toute seule. Je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. J'irai voir après. Donc voilà. Du coup, il s'en est à là. Donc c'est pas oufissime. Au niveau de la quantité. Bon, c'était en toute seule, bref. Donc du coup, c'est pas grave. C'est un format quand même de. Ça fait peur quand même, ça s'éteint tout seul. 75 millilitres. Bon, normalement, il n'y a personne, mon père a fermé la porte à clé. Bref, non, c'est un format 75 minutes, donc c'est à la corne, donc c'est marqué mousse, parce qu'en fait ça mousse le visage. Moi, le premier que j'ai, c'est mon copain qui me l'a offert, et j'ai adoré. Donc du coup, j'ai tout simplement repris ce masque-là, parce qu'il fait de la mousse, et il crépite, donc il fait des petits trucs comme ça sur la mousse, sur le visage, donc c'est plutôt sympa. Donc c'est pour ça que je l'ai repris. Par contre, 9,95 € c'est un peu cher, mais voilà, je l'ai repris parce que j'aimais bien, donc ça c'est pour moi. Ensuite, pour ma maman, je lui ai pris une petite trousse comme ceci, trop mignonne. Donc ce sera pour mettre ses produits ou. Enfin, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je pense que je mettrai ses produits dedans. Voilà. Ou peut-être mettre les bougies dedans que je dois lui offrir. Je mettrai ça dedans, je pense. Donc la trousse, elle était à 5,95 € et elle a passé à moins 40. Donc j'ai payé 3,57 €, ce qui vaut plus le coup que 5 balles quand même. Donc voilà, plutôt cool. Voilà, ce sera pour ma maman. Je lui enlèverai évidemment l'étiquette et le petit papier de soie qu'il y a à l'intérieur. Ou je laisserai peut-être le papier de soie, j'en sais rien. On verra bien, je verrai ça quand je ferai ça. Donc voilà. Et ensuite, du coup, son cadeau pour la fête des mères ou son anniversaire, je sais pas trop. Donc la marque, c'est Bougie. Enfin, la marque, c'est pas la marque de la bougie, hein. C'est les bougies de Sandro Spa. Voilà, donc ça en fait, ils ont plusieurs bougies différentes. Ils ont les Woolwick. Et moi, j'ai pris des Yankee Candle. Donc, je m'en suis gardé trois pour moi. J'ai gardé Soft Blanc, couverture douce. Donc, ça sent trop bon. Voilà, donc ça, je vais l'utiliser, je pense, dans le salon. C'est des formats de 46 grammes. Hein. Ensuite, on a la vanille. Ça, c'est celle que je kiffe le plus. Et je crois que je l'avais en pot. Et je l'ai terminée. Donc, franchement, j'ai repris une vanille. Et pour moi, j'ai repris Cherry Blossom. Donc, c'est celle que j'ai là. Attendez, je me lève. C'est celle que j'ai ici. La Cherry Blossom. Donc, je l'ai du coup en petit format et en grand format. Que j'adore. J'aime beaucoup. Je l'ai pas encore allumée, mais franchement, c'est une dinguerie cette bougie. Donc pour l'instant, elle me sert en déco. Je la mettrai peut-être. Je pense que je mettrai celle-ci d'abord. Voilà. Et du coup, pour ma maman, du coup, je lui avais emballé. Mais c'est pas grave, je vais déballer. Je lui ai pris une vanille parce que moi, j'adore la vanille et que la vanille, ça passe. C'est pour ça que j'en avais pris deux. Je ne me rappelais plus pourquoi j'en avais pris deux. Et ensuite, je lui ai pris le ail d'ange. Ail d'ange. Voilà. Donc ça c'est un parfum fruité et ça c'est un parfum un petit peu plus floral. Donc ça franchement je kiffe trop. Donc voilà, vu que je sais qu'elle aime bien, du coup je lui offrirai les deux petites bougies là. C'était 3 euros la bougie. Donc ce qui est plutôt correct, hein, sachant que c'est un bougie à mettre dans un petit pot, style un petit pot comme ça. Hein. Petit pot comme ça, hop, tu mets ça dedans et tu fais fondre. Voilà, moi j'ai des photos forts et tout pour mettre dedans. Enfin, j'ai des trucs exprès pour mettre à l'intérieur. Mais voilà, du coup, maintenant on aura ça. Donc pour le coup, je vais mettre
Je vais essayer de casser ça. Voilà, je mettrai ça à la poubelle après. Et du coup, je vais lui mettre les petites bougies avec le papier de soie. Voilà. Dedans, ou j'enlèverai peut-être le papier de soie et je laisserai peut-être. Non, je serai peut-être comme ça. Ou j'enlèverai peut-être l'autre papier de soie parce que ça fait pas. Ça rend pas hyper bien au final. Ma maman n'a pas beaucoup de trousses, donc voilà, ça lui permettra d'avoir une petite trousse au passage. Donc voilà, du coup, ça lui fera un petit cadeau comme ça, bien mignon, bien sapatoche. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment un petit haul. Un petit haul, un tout petit haul. Un magasin, donc j'espère que ça vous plaira. Moi, je vous fais des bisous. J'ai oublié de vous montrer le produit gratuit de chez Nocibé, c'est le Good Girl que j'ai eu à Nocibé. Voilà, donc plutôt sympa. Voilà, c'est le tout nouveau qui est sorti, donc franchement, je suis plutôt contente. Et voilà, donc en produits échantillons, j'en ai eu que deux, mais c'est déjà pas mal. Un dans chaque magasin, c'est déjà bien. Donc voilà. Moi, je vais vous faire des bisous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Je répondrai volontiers à votre commentaire. Et n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, à vous abonner. Bienvenue à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne il n'y a pas très longtemps. Voilà, ou depuis le début, hein. Un grand merci à tous. Du coup, je vais vous faire des bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!